Abot, comment tu vas? Ça va bien. Le vent est cassé. C'est l'un des noms forts. Le monde est parti, hein. Le monde est cassé. J'ai vu l'importante délégation. Oui. Ça fait plaisir. Merci. 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 Voilà. Parce qu'avec le projet que vous avez et tout ça, voilà, ma voix seule, c'est vrai, mais quand vous allez parler, nous, on va appuyer derrière pour accompagner le projet. Voilà. D'accord. Ah, pas de souci. Vous êtes là déjà, c'est déjà pour l'essentiel. Oui, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir de voir. Merci, c'est pareil. Hein. Jeune mère, tout le monde est jeune aussi. Ah oui, apparemment, c'est tout le monde. Tout le monde. Oui, ça va. Les gens viennent du Canada, la Martinique. Nous sommes au moins 400 personnes. Oui. Monsieur le maire. C'est monsieur le maire, hein. Merci. En tout cas, merci, monsieur le maire. Merci. Je vais d'abord laisser la parole au porte-parole de l'association. Et après cela, je vais après prendre la parole. Merci, président. Monsieur le maire, monsieur le chef coutumier, messieurs les adjoints, madame la directrice de cabinet, messieurs les conseillers, chers investisseurs, distingués invités, chers amis, je tiens à vous remercier d'être présents ici aujourd'hui, 6 décembre. C'est un grand honneur pour moi, Alphonse Onga, secrétaire général et porte-parole de la JICA, de représenter notre organisation caritative, la Fondation Joël Crasso Espoir de Vie, lors de cette cérémonie de remise des dons. La JICA est une institution qui se tient chaque année dans un pays africain, selon la vision de notre président fondateur. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition à Ngor, à la mairie d'Ngor, à Dakar, au Sénégal, pour reconnaître l'importance de la solidarité et de l'entraide dans notre communauté. Notre organisation a été témoin de l'impact incroyable que peuvent avoir les dons caritatifs sur la vie des personnes dans le besoin. Aujourd'hui, nous sommes fiers de remettre ces dons à la mairie, monsieur le maire. Nous savons que ces fonds seront utilisés de manière judicieuse et efficace pour soutenir les programmes et services qui profitent directement à notre communauté et à l'éducation de nos enfants. Nous tenons à remercier principalement la mairie, en l'occurrence, madame la directrice de cabinet, madame Samba, madame Touré, maman Touré, qui était aussi présente, monsieur Mbang, qui nous a bien accueillis, notamment, et miss Dior, qui était présente dans nos réunions, du soutien continu et de leur engagement envers le bien-être de nos citoyens. Votre dévouement et votre passion pour servir la communauté sont une source d'inspiration pour nous tous. Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ces dons. Votre générosité et votre compassion font une réelle différence dans la vie des personnes que nous servons.
Ces dons à la commune n'est pas seulement un geste de générosité, mais aussi un témoignage de notre foi en l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la commune d'Ungor, en l'occurrence. Nous croyons en notre capacité à surmonter les défis et à bâtir un avenir meilleur pour tous. Ensemble, nous pouvons continuer à faire de notre communauté un endroit meilleur pour tous. Nous sommes inspirés par les efforts de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine pour promouvoir un développement durable et inclusif. Je vous souhaite également la bienvenue à ce forum des jeunes entrepreneurs chrétiens africains. Nous sommes ici également pour célébrer l'esprit d'entreprise, l'innovation et la créativité qui sont au cœur de l'économie africaine. L'Afrique est un continent de possibilités incroyables. Chaque jour, de nouveaux entrepreneurs se lèvent prêts à transformer leurs idées en réalité et à apporter des changements positifs dans leur communauté. La JICA, Jeune Entrepreneur Chrétien, est une plateforme pour ces entrepreneurs pour partager leur histoire, apprendre les uns des autres et créer des liens qui peuvent conduire à des nouvelles opportunités. Nous soutenons et encourageons ces entrepreneurs pour les aider à surmonter les défis et à réaliser leurs rêves. Nous croyons en leur potentiel et nous sommes convaincus qu'ils sont la clé de la croissance économique et du développement durable en Afrique. Alors, commençons cette journée, chers frères et sœurs, aujourd'hui avec enthousiasme et détermination. Profitons de cette occasion tous ensemble pour apprendre, partager et grandir ensemble. Et rappelons-nous que ensemble nous pouvons faire la différence, façonner l'avenir de l'Afrique. Promouvoir la croissance économique et le développement durable de notre continent. Car nous sommes appelés à être des agents du changement positif, du développement, en créant des emplois, en stimulant la croissance économique et en aidant nos États à lutter contre la vie chère, le chômage et l'immigration clandestine. Pour terminer, l'investissement est crucial pour le développement économique et social de l'Afrique. Nous avons besoin d'investisseurs comme vous, chers tous, aujourd'hui, qui croient en nous et en notre continent et en son avenir. Selon une enquête réalisée auprès de 800 membres de la diaspora, 71% des personnes interrogées envisagent de retourner sur le continent dans un délai de 10 ans. Parmi eux, 56% privilégient un retour dans leur pays d'origine, tandis que 15% sont ouverts à des opportunités sur tout le continent. Les transferts des migrants à destination des continents africains devraient augmenter sensiblement de 9,5% pour atteindre 90 milliards de dollars à l'orée 2023-2024, contre 83 milliards de dollars en 2020. 76% de ces ripates ont vécu en France, 26% en Amérique du Nord, un tiers ne rentre pas dans leur pays d'origine, mais préfère un autre pays africain. Les chiffres sont formels. Les trois principales raisons du retour en Afrique sont la volonté d'avoir un impact sur le continent, les opportunités professionnelles intéressantes et la pression familiale et bien entendu sociale. Donc ces chiffres, monsieur le maire, président, et toutes les autorités qui sont présentes déterminent l'importance de la diaspora africaine et son impact potentiel sur le développement de notre continent. C'est pourquoi ce forum est très important, car il offre une occasion unique aux investisseurs que vous êtes, africains et internationaux de la diaspora, à se connecter aux entrepreneurs
et entreprises africaines afin de découvrir les opportunités d'investissement qui existent sur ce continent. Donc, excellente journée au JICA, excellent forum à tous et à toutes, et à l'année prochaine à Lomé, au Togo. Je vous remercie. Donc, chers investisseurs, monsieur le maire, monsieur Ndiaye, chères autorités municipales, permettez-moi de vous introduire notre président. C'est le président des jeunes entrepreneurs chrétiens africains. C'est le président de la fondation Espoir de vie. Notre président, monsieur Joël Crasso, ici présent. Je vous en prie, président. Merci. Alors, comme vous le savez, je suis Joël Crasso, Dioro Joël Shalom. Ben, je suis le président, bien sûr, de la GECA, aussi président de la fondation Espoir de vie, Joël Crasso Espoir de vie. Alors, je suis dans la commune d'Ungor. Je tenais à remercier les autorités, monsieur le maire et tout son conseil, pour l'accueil surtout, voilà, pour l'accueil. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. Nous sommes une association qui est basée, déjà qui est créée à partir de 2019. La vision est venue à partir de 2019. La plupart sont mes filles spirituelles parce que je suis serviteur de Dieu. Nous sommes chrétiens. Mais nous sommes aussi ouverts hein, à toutes sortes de religions. Nous avons une vision. La seule vision, c'est de ne pas voir l'Afrique sombrer. Voilà, de ne pas voir l'Afrique sombrer. Et nous avons compris que nos États ne peuvent pas tout faire. Nos États ne peuvent pas tout faire. Il faut venir au secours de l'Afrique. Et il y a un seul problème, aujourd'hui, les gens ont peur. Ils ont essayé des expériences et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ils sont venus investir, ils ont été obligés d'anarch, ils ont été obligés de beaucoup de choses. Donc la GECA, c'est maintenant le pont entre la diaspora et l'Afrique. Et pour nous, c'est de sensibiliser au maximum la diaspora africaine et afin de pouvoir investir en Afrique. Alors c'est déjà en 2019, nous avons eu cette vision et j'ai partagé cette vision avec pas mal de mes collaborateurs et beaucoup d'autres personnes ont adhéré. Voilà, adhéré. Et déjà, il faut dire déjà que j'ai essayé de mobiliser déjà des gens qui sont venus. D'abord, je suis de nationalité ivoirienne et les gens investis en Côte d'Ivoire. Et après ça, j'ai mobilisé les gens venus investir en Guinée-Conakry où j'ai même acheté 20 hectares de forêt où je dois faire le manioc et faire une usine d'acheke, etc. Alors pour nous, c'est très, très important, c'est une manière de lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. Voilà. Dieu m'a mis à cœur de venir au Sénégal. Et il y a d'abord une raison, d'abord spirituelle, parce qu'avec l'histoire de l'île de Gorée, il y avait une porte de non-retour. Voilà, une porte de non-retour. Et nous savons, nous sommes tous croyants, nous savons que la parole est sacrée. Et quand on dit non-retour, ça veut dire que tous ceux qui sont partis doivent plus revenir. Et la plupart des gens que les gens prenaient, c'était des bras valides, c'était des hommes importants qui sont allés développer d'autres nations. Et nous autres, nous avons compris que si nous voulons, n'est-ce pas, pérenniser ce que nous sommes en train de faire, il fallait venir sur le sol du Sénégal et briser cette porte de non-retour et proclamer une porte de retour. Et voilà, proclamer une porte de retour. Parce que pour nous, l'Afrique est le berceau de l'humanité, je pense que tout le monde le sait déjà, aussi continent de l'avenir, mais voilà, et c'est spirituel, il faut que ce mur-là se brise. Et c'est pour cela que nous sommes venus déjà l'année dernière, nous avons commencé un premier forum. Alors je tenais à vous dire que le Sénégal c'est un merveilleux pays, voilà, et je suis très convaincu du fait que ce soit un pays de la Teranga. C'est parce que j'ai été très bien accueilli que j'ai décidé que toute cette délégation soit aujourd'hui ici. On a eu la première délégation qui était là l'année dernière, dans le mois d'août. On a vécu une mauvaise expérience parce qu'il pleuvait. Nous, on ne le savait pas. Et que le mois d'août était le mois d'hivernage ici. Alors, donc, on a décidé. On a décidé. Et je leur ai dit, je leur ai lancé un défi. J'ai dit, c'est un très bon pays. Il faudra que je commence quelque chose au niveau du Sénégal. Et j'ai pu le faire. Donc, ils le savent très bien. Donc, on a décidé d'organiser un forum en décembre, cette année en décembre. Et ici, ben, tous ceux qui sont là sont très motivés. C'est des gens qui sont passionnés par l'Afrique. C'est des gens qui aiment vraiment l'Afrique.
Et je vous l'ai dit, c'est des mangeurs, ils aiment bien manger le kebjen. Ils aiment, tout le monde, on les a déjà fait manger le kebjen, la bouillie, tout ça. Voilà, donc la délégation, il y a des gens qui sont des Gabonais. Voilà, Didier, tu t'élèves avec ton épouse, des Gabonais d'origine, voilà. Voilà. Le frère de le vice-président, il est aussi. Il est en Allemagne, il est allemand, de nationalité allemande, mais il est togolais, il est béninois. Voilà, on a aussi la présidente de la GK, la représentante, elle aussi, elle est camerounaise, mais elle a la nationalité française. On a notre ambassadrice qui est la Martinique, elle vient de la Martinique. Ça l'a fait la deuxième fois qu'elle file le sol de l'Afrique. Voilà, elle n'était jamais venue en Afrique, ça l'a fait la deuxième fois qu'elle vient en Afrique. On a aussi la délégation de la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous tenir debout, s'il vous plaît? Et que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, voici une autre délégation qui vient de la Côte d'Ivoire. On a aussi la délégation qui nous vient du Togo. Voilà le frère. Une forte délégation. Alors lui, c'est un expert comptable. Il a un cabinet d'expertise au Togo. Voilà, c'est une autorité. On a une délégation aussi qui vient aussi de l'Angola. Monsieur et Madame l'Angola, voilà. On a aussi un frère, le frère Edouard qui nous vient d'Écosse, qui est aussi un entrepreneur, voilà, qui est très bientôt qui va mettre une usine de transformation du café, c'est Kinshasa. Voilà, il a déjà fait, c'est quelqu'un qui est un grand entrepreneur, qui a des usines et tout ça. On a aussi le frère qui est juste derrière aussi, qui est l'un de mes fils, qui est aussi un monsieur très bon en matière informatique, une boîte informatique, qui a la nationalité américaine. Voilà, on a aussi la sœur qui est juste là. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Ouais, Corinne, elle est centrafricaine. Voilà, elle est centrafricaine. J'ai oublié qui est l'autre. J'ai Ghislaine, elle est où, ma fille? Elle est Ghislaine ivoirienne, mais de nationalité américaine. On a aussi l'autre, Agathe, tu te tiens debout. Voilà, elle est béninoise, c'est ça, mais dans la nationalité américaine. Donc voici un peu. J'espère que je n'ai pas oublié tout le monde. On a aussi Madoché, excuse-moi, qui est aussi ivoirien, qui est dans la nationalité canadienne. Voilà. On a aussi qui? Voilà, on a aussi Mélanie qui nous vient de l'Angleterre. Bon, voici toutes ces délégations. Voilà, toutes ces délégations, j'ai une vision. La plupart sont mes fils spirituels et tout ça. Donc, on vit en communauté, on parle. Notre passion, c'est de voir l'Afrique, une Afrique délivrée. Nous, notre vision, c'est de voir nos frères, nos petits frères, tout ça, avoir de l'emploi. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une pandémie, il y a un problème crucial au nom de l'Afrique. C'est l'immigration clandestine. Les gens pensent qu'il n'y a rien en Afrique. Ça dépend de la communication faite au niveau de l'Afrique. Et nous avons décidé, nous autres, de prendre des choses en main afin de pouvoir d'abord sensibiliser la diaspora pour dire la terre africaine est là et la terre africaine attend chacun d'entre nous. Voilà, chacun d'entre nous. Et nous avons un forum organisé. Et aujourd'hui, c'est une ouverture, et heureusement, parce que Dieu, c'est le partage. Pour nous, avant toute chose, il fallait commencer d'abord par le partage. Pour symbole de dire que nous sommes là et nous sommes prêts à partager nos expériences, nos visions avec beaucoup de choses. Nous sommes prêts même à accompagner, n'est-ce pas, la commune d'Ungor. Voilà, je vis ici Ungor, c'est ma commune, donc on avait des dons. J'ai dit, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc j'ai pu rencontrer le maire qui m'avait bien reçu. Et donc nous sommes là déjà pour des dons. Et j'ai une fondation, qui est la fondation Joël Crasso. J'ai pu mettre une orphelinat en place en Côte d'Ivoire. J'ai pu scolariser 3000 enfants en espace de 2 ans. Et j'ai un combat que je mène, c'est le problème éducationnel. Le problème africain, c'est même pas un problème de pauvreté, c'est aussi un problème éducationnel. C'est pour ça que vous avez vu que dans nos dons, nous avons beaucoup mis l'accent sur l'éducation, les tables, bancs, etc. Et c'est la vision de chacun d'entre nous. Voilà, nous communiquons ça et nous demandons à chaque personne, selon sa nationalité, de pouvoir véhiculer le message. Alors, tellement que la commune d'Ungor m'a accueilli, m'a adopté, il fallait commencer par ça. Et nous sommes venus avec des dons. Voilà, des dons. J'ai déjà 300 000 francs ici. Au nom de l'association, remettre ça à la commune d'abord d'Ungor.
Voilà, ça c'est les 300 000, ça c'est pour remettre ça à la commune. Voilà. Et nous avons 20 tables. Tabans. 20 tabans. Voilà, nous avons 20 tabans et nous avons une tonne de riz, c'est ce qu'on a pu recueillir. Et nous avons aussi, par la grâce de Dieu, des vêtements à donner ça à la notabilité. Et nous avons aussi un jeu de maillots à remettre à la jeunesse. Ça y est là, un jeu de maillots à remettre à la jeunesse. Mais nous n'allons pas nous limiter là. Voilà, justement, je suis un gars d'Ungor. Voilà, nous envisageons accompagner la commune d'Ungor, accompagner la commune d'Ungor dans le domaine éducationnel, dans le domaine de la jeunesse. Ça nous intéresserait de nous investir assez. Voilà, donc tout ça. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà échangé avec eux. Il faudrait que la mairie d'Ungor nous donne un temps, si c'est possible ce soir, parce que j'ai, en matière de votre planning, je pense que vous n'avez pas assez de temps. Ce soir, afin qu'on puisse mobiliser tout le monde, être là à partir de 18h, juste pour une heure du temps, pour qu'on puisse parler des opportunités d'affaires au niveau d'Ungor. Voilà, et chacun d'entre nous, eux, vont essayer de réfléchir. Mais je pense que nous serons très enchantés de nous investir. Et donc, je vous dis déjà que juste après ici, les gens, ils auront l'occasion de voir ce que j'ai pu réaliser déjà dans cette commune, juste à côté là. Je suis juste pour vos voisins. Barreau Communication, qui est une entreprise de communication événementielle. On est dans beaucoup de domaines, donc ils auront l'occasion de visiter. Et j'aurais aussi, en tant que président, leur demander aussi de venir s'investir. Vous allez voir, vous voyez sur le t-shirt, on dit Sénégal, un pays où nous devons tous investir. Voilà, c'est un peu notre vision. L'année prochaine, nous serons aussi au Togo. Et je pense qu'après, nous serons au Cameroun et en Côte d'Ivoire, etc. Donc, nous allons de nation en nation afin de mobiliser, sensibiliser plutôt la diaspora à venir investir. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est moi. Merci beaucoup, Égé. Bonjour, un très grand bonjour à toute la délégation. On dit à Wolof, Dalen Adjam. Ah. Bienvenue au Sénégal. Bienvenue chez vous. Merci. Que partout sur ce continent, là où en Afrique est, il est chez vous. Merci. Donc, bienvenue chez vous. Et c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui au nom de la commune, au nom des populations de Ungor. Je pense que monsieur le maire, premier adjoint, a déjà fait la présentation, en tout cas de l'équipe municipale. Je vais juste rajouter qu'effectivement, il y a également le président des faits pour la partie coutume, représentant le chef du village de Ungor, mais également tous nos amis et collègues de la mairie pour vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes un village traditionnel, nous sommes également une commune, donc administrative. Vraiment vous remercier et nous réjouir vraiment de cette visite pour plusieurs raisons d'ailleurs, plusieurs raisons. Et la première raison, la plus évidente, c'est cette vision que nous partageons de tous pour l'Afrique. Et au-delà de cette vision, c'est qui cimente cette vision-là et consolide cette vision, c'est ce que nous partageons et nous partageons toujours, c'est la foi. Parce qu'au moins, nous avons quelque chose de sûr et d'inébranlable, c'est la foi que nous avons. Et tout ce que nous pouvons faire, quelles que soient les connaissances et les ambitions que nous avons, si nous n'avons pas la foi, ça n'ira pas loin. Et nous avons la foi à la bonne chose et on a foi au Seigneur. Et ça, je pense que c'est le plus important, c'est ce qui nous unit autour de tout ça. C'est cette foi-là qui va servir de carburant et de kérosène pour porter tous ces projets-là. Donc, c'est un plaisir vraiment de vous recevoir et de l'intituler même. C'est davantage une option supplémentaire, c'est les jeunes, c'est les entrepreneurs, c'est les chrétiens, c'est les Africains. Donc, pour chaque élément que nous prenons, c'est des éléments qui nous réconcilient. C'est la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat, c'est la foi, mais c'est également notre continent. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. Et je vous félicite vraiment de l'initiative. Félicitez également le président. Merci. Pour vraiment la démarche et cette vision. Aujourd'hui, nous sommes Africains, nous sommes fiers de le dire. Le Seigneur a fait que les Africains soient unis en leur genre. Même s'ils ne disent pas qu'ils sont Africains,
si vous voulez regarder, vous savez d'où il vient. Vous pouvez ne pas savoir le contenu, le pays, mais vous savez en tout cas de quel contenu il vient. Ça, c'est le Seigneur qui a fait. Le pays, il va falloir demander quel pays. Peut-être qu'il vient du continent européen ou du continent africain ou américain, si vous savez pas. Un Africain qui arrive, vous regardez, vous savez qu'il est africain. Ça, c'est une chose et nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers également de voir aujourd'hui que tout est possible en Afrique, parce que des gens ont réussi. Moi, je pense que le président Obama, qui m'a beaucoup inspiré, parce que je faisais partie des points focaux Afrique de l'Ouest quand il faisait sa campagne en 2008, pour relayer en fait, sur les réseaux sociaux sa campagne, aller chercher, bien qu'on ne vote pas, on ciblait en tout cas dans nos réseaux des Américains, des gens qui connaissaient les Américains, pour influencer et partager les infos. Je pense que quand il disait que week-end, c'est au-delà des Américains. Pour moi, c'est pour toute l'humanité et l'Afrique en première. Aujourd'hui, si vous voyez parmi vous, chacun a un parcours différent. Mais sa foi en Afrique, ses capacités personnelles ont fait que facilement, il faut faire deux fois plus d'efforts ou trois fois plus d'efforts pour arriver. Et quand tu y arrives, tu as cette culture de travail plus que les autres. Ça fait une force incroyable. On a vu pour les courants économiques, de pensée économique. Il y a certains qui disaient qu'en fait, l'Afrique ne se développerait pas parce que si on divise les ressources disponibles au nombre de personnes, c'est un problème. Il faut limiter les naissances pour que les ressources suffisent. Les gens y croient, mais avec la Chine, on a vu que c'est faux. C'est faux. Si on a des paresseux qui sont très nombreux et qu'on ne fait rien, ça c'est un problème. Mais si on a énormément de gens qui savent produire, là ça devient une force. Et aujourd'hui, tout le monde l'a compris, c'est ce qui fait que l'Afrique est l'avenir du monde, ça c'est clair. Parce qu'en termes de superficie, on est plus grand. En termes de nombre, on est plus grand. Et on a une plus grande marge de jeunesse, ce qui veut dire que le taux de natalité va dépasser de très loin le taux de mortalité. Donc d'ici peu, qu'on le veuille ou pas, on est l'avenir. Mais dans cet avenir, qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est la question. Est-ce que nous préparons nos enfants et les jeunes pour pouvoir porter cet avenir-là, est-ce qu'on va laisser les autres venir? J'ai bien aimé voir les statistiques, quand ils disaient, parce que les gens de la diaspora ont compris, parce qu'avant, c'était leurs collègues ou des amis des pays étrangers qui quittaient ces pays-là pour venir dans l'Afrique. Eux, ils ont préféré rester au début. Après, ils ont vu qu'eux, ils réussissaient. Donc, pourquoi pas eux? Donc là, ils reviennent en masse. Et ça, c'est aujourd'hui, nous tous, notre responsabilité, de préparer cette jeunesse-là, de préparer nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, à comprendre ce qui se passe, mais également à les préparer pour pouvoir porter tout cet avenir-là. Et le meilleur moyen, la meilleure chance qu'on peut leur donner aujourd'hui, c'est de les former. Il faut qu'on investisse en masse dans l'éducation et la formation. Et je suis fier, effectivement, de dire, parce que nous avons, je pense, l'année dernière, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Return. C'est que le Ghana l'a fait, ils ont créé cette porte-là du retour. C'est que beaucoup de pays africains, le Sénégal est également en train de travailler sur ça, pour que cette porte de non-retour, qu'on brise ça, pour qu'aujourd'hui, on doit... Je vais partager avec vous tout à l'heure ma carte de visite. Le logo de la commune de Ngor, vous verrez, c'est un phare. Bonsoir, président. Sur le logo de la commune d'Ongor, vous voyez un phare. Ce phare-là, nous pensions que c'était juste pour guider les bateaux, tous les bateaux. Quand on devait faire évoluer le logo, comme c'est une œuvre artistique, il a fallu rencontrer la personne qui a créé le logo pour lui dire pourquoi vous avez choisi tel élément plutôt que d'autres. Et en parlant du phare, il a dit que ce phare s'appelait Mémorial Goré Almaty. Du fait est que quand les bateaux prenaient les esclaves et quittaient Goré, ils prenaient leur cap aux États-Unis à partir de là, ce phare-là. Donc les bateaux venaient jusque-là, faisaient le tour, une fois aux Almaty, ils faisaient une ligne droite. Et c'est direct Amérique latine, cette zone-là. Et donc ce qui veut dire que ce phare, qui était un point lumineux, était le dernier point de lumière que les Africains voyaient en quittant le continent.
Donc c'est hyper important pour nous. Tu dis que cette lueur d'espoir là, que les gens avaient, est-ce que là tu pouvais te dire que le bateau allait repousser chemin jusqu'à ce qu'on ne voit plus cette lumière là? C'est pour ça qu'on a fait avancer, parce que c'était petit. Donc on l'a agrandi, on l'a mis en avant, pour dire effectivement que cette lumière là qui voyait en dernier, pour quitter, nous avons tous obligation de porter ce flambeau là, de prendre cette lumière, d'aller les chercher et les faire venir. Aujourd'hui, nous vous félicitons. Merci. Nous vous félicitons vraiment de l'initiative parce que le Sénégal seul ne peut pas le faire. Encore moins une mairie. C'est tous les Africains, partout où ils sont, de porter ce plaidoyer, de dire aux jeunes Africains, vous avez perdu espoir, vous voulez partir. Vous allez dans un pays ou dans des pays avec un avenir incertain. Vous voulez partir, d'accord, mais attendez d'être formé. Vous voulez partir, attendez-nous, on revient avec l'expérience. On vous forme ici. J'ai une nationalité allemande, une nationalité américaine, une nationalité française, c'est beaucoup de culture. Un savoir-faire que vous avez pendant 10, 15, 20 ans. Laissez-nous venir partager avec vous d'abord. Après, vous voulez partir, donc vous partez, mais avec la connaissance. Mais sachez une chose est sûre, même si vous y allez, pour étudier, pour faire des choses, préparez-vous pour revenir. Parce que tout ce que vous pouvez avoir à l'étranger, si vous l'avez ici, c'est encore mieux. C'est une fierté qu'on soit africain, qu'on travaille, qu'on apprenne, qu'on se réalise sur ce continent-là. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons eu malheureusement des dirigeants qui, peut-être par courtoisie, n'ont jamais pu dire les choses telles qu'elles. Nous ne sommes pas vraiment dans l'extrémisme. Il faut arriver à un moment donné de poser chaque chose à sa place. Aujourd'hui, l'Afrique ne demande pas. Le président Senghor, il disait qu'aujourd'hui, on va avec le rendez-vous du donner et du recevoir. D'accord ? L'Afrique n'attend plus une main pour demander. L'Afrique tend deux mains. Vous voulez donner, d'accord ? Mais vous ne donnez pas n'importe quoi. Nous aussi, on donne. On a à donner. On ne demande pas. On a aussi à donner. Donc, on partage. Aujourd'hui, je suis maire. Le président Karasu, il est président. Vous êtes PDG, vous êtes CEO dans vos entreprises. Vous avez un style de management. Il faut qu'on imbibe nos styles de management avec un cachet africain. Il faut que quand on agit, quand on fait, on est leader, il faut qu'on sente qu'effectivement, nous sommes africains, nous avons notre africanité à mettre en avant. Si on a un management, un style de management, on va l'imbiber de ça. On va faire de la manière. On va aller là-bas, chacun va recevoir sa bénédiction. Et il faut qu'on accompagne la commune Ngor. Voilà, je pense que l'autre challenge, c'était, on va essayer de voir si on peut créer déjà une cantine au niveau de l'établissement. Et ça, je vais lancer ça. Et ils m'ont dit sans secret, c'est vrai qu'ils n'ont pas déballé tout ça, mais ils ont un lycée ici à construire, l'établissement. On aura l'occasion de voir ça ensemble sur les différents forums, comment accompagner la commune Ngor. Voilà, donc vous avez déjà compris que quand vous donnez 5 francs Ngor, vous êtes bénis. Hein. Vous avez compris. Donc, tout est parti d'ici, hein. C'est la lumière. Donc, si tu veux la lumière, vous voyez que c'est trop prophétique. Voilà, donc nous allons accompagner la commune Ngor, voilà, donc ça. Et notre doléance, nous demandons si possible, avant que notre rencontre, ce n'est que juste une heure du temps pour nous déballer un peu les opportunités d'affaires. Parce que beaucoup attendent ça. Voilà, beaucoup attendent ça. Voilà, beaucoup attendent ça. Au-delà de cette cérémonie, on veut entendre beaucoup d'opportunités d'affaires. Ils attendent ça. Voilà. Ça, c'est pour la commune Ngor. Chez nous, le chiffre 3, il est très important. Tout ce que nous souhaitons, demandons à Dieu, c'est de vous accorder la prospérité, de vous ouvrir les portes des finances, et surtout qu'il y a beaucoup d'argent ici. Alors, comme le sport, c'est pour la santé, c'est bon pour la santé, nous avons décidé aussi d'accompagner la jeunesse. Donc, un jeu de maillot. Voilà. Et ça sera par les derniers cadeaux. Comme je disais, nous allons nous investir à fond dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de domaines au niveau d'Ngor. Je pense que le soir, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion d'en parler. Et je pense qu'on aura l'occasion, nous aussi, de prendre des engagements qu'on va essayer d'honorer sur une année. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. C'est donc. Qui m'a invité tout à l'heure, c'est aux couleurs de. Je vais montrer ça au président, je pense que les délais, ils vont voir. C'est aux couleurs de l'équipe de la commune. Ah, monsieur.
Tout est prophétique. Ça tombe bien parce que sur du bleu et sur du jaune. Et voilà. Ces couleurs-là, effectivement, c'est des couleurs, effectivement, le jaune, vous êtes dans la forme. Oui, le jaune. Merci. C'est moi, monsieur le maire. Voilà, nous transmettrons et avec vraiment tous vos souhaits de réussite. Merci. C'est la solidarité et l'entraide que nos ancêtres avaient. D'habitude, les graines destinées à la consommation étaient gardées dans des greniers. Donc, nos greniers avaient trois fenêtres. Première fenêtre, deuxième et troisième, en bas. Donc, dès que le troisième commençait, le dernier grenier commençait à la dernière fenêtre, les gens se regroupaient mutuellement et mettaient dans des voiles. Chacun déposait de la nourriture. On remplissait le grenier qui venait de fouiller. Même le gars qui appartenait, qui avait le grenier, participe pour donner sa part pour remplir. Donc, la solidarité est en nous et nous avons l'habitude. Donc, c'est pourquoi ce geste que vous venez de faire ne va pas au cœur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. Moi, monsieur le maire. Merci. Celui qui est dedans, là. Qui nous perturbe sur Zoom là. Ce soir là, je suis en paix de tennis, en jogging pour chasser les démons. Qui accueille. Je vais devancer tout le monde.